Hey, salut les amis. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait une petite VOD ensemble. Alors, pourquoi ? Très simple. J'ai eu des graves soucis de PC. Voilà, a priori, tout ça, ça a été fixé. Ma machine fonctionne beaucoup mieux. J'ai enfin récupéré une vraie connexion. Alléluia, hein. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à 0,5 mégas d'upload, donc 0,5, hein, pas 5, ou non, 0,5, et à 2 mégas de download. Maintenant, je suis passé à 30 en download, et je suis à 9 en upload. Donc, on va pouvoir stream pépère, on va pouvoir faire des VOD pépère. Et ça me donne envie de me retrousser les manches parce que c'est bon. Et ça fait plaisir. Par contre, ici c'est un test, c'est la première fois que je recorde avec ce setup. C'est un nouveau logiciel, j'ai installé OBS Studio. Donc c'est possible que l'image, le son, tout soit pas bien. Donc s'il vous plaît, hein, ne me violez pas dans les commentaires. Au contraire, comme d'habitude, hein, vous le savez très bien, je prends toujours toute remarque constructive. Après, vous dites, mais pisse trop de la merde. Ben, en fait, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, toutes remarques constructives sont évidemment les bienvenues. Et voilà, j'ai tellement blablaté. Alors, qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? On va vous présenter un prêtre. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. C'est un prêtre qu'Amster avait sorti... deux secondes. C'est, note à moi-même, couper Skype quand j'enregistre. Hein. Donc voilà, c'était donc la liste qu'Amster avait sortie à la BlizzCon. Donc... qu'est-ce qu'on a? Ben, en fait, c'est une liste classique, hein, qui peut se défendre contre les aggros. Parce que vous avez 4 AOE, vous avez des ensevelir pour les rags, il y a des rags partout. Hein. Bon, alors évidemment, c'est pas une liste top tier, loin de là. Hein. Mais voilà, pour les nostalgiques du prêtre, je pense que c'est une des listes les plus optiques actuellement. Donc on va aller faire quelques games. Encore une fois, c'est une VOD test. D'ailleurs, je suis même pas sûr que vous la voyez, hein. Donc, on va aller voir tout ça. Ah ben déjà, d'emblée, on est content. C'est techniquement censé être un bon match-up. Sauf si, évidemment... c'est un guerrier écrase-face. Je vais peut-être garder juste le mot de pouvoir pour pouvoir mettre une créature hors de portée de hache. Donc voilà. Alors, vous avez vu, je sais pas si c'est marrant, mais j'ai une résolution qui est bizarre. J'ai l'impression que c'est plus large. Bon, on va faire avec, hein. On va faire avec. Donc, sa carte qui est excellente dans le match-up. Mais bonjour à toi aussi, Maximo Magique. Ok, donc c'est une saloperie de guerrier. Donc, je reprends mon bonjour, enfoiré. Guerrier Face. Super, on est content. Surtout que là, j'ai un early qui est déplorable. Alors, concrètement, dans ces match-up-là, vous voulez évidemment un Auspice Funeste le plus tôt possible. Bon, bah, un petit heal. Non plus, on n'est pas non plus pressé. On va pouvoir développer l'ombre mouvante. Ouais, non, c'est le beau guerrier. C'est le guerrier qui fait plaisir, hein. C'est le guerrier qu'on aime bien présenter à sa maman. C'est le beau-fils idéal. Après moi, bien entendu. Allez, mets tâche. Ah non, tu mets pas tâche. Ha
Moi guerrier, moi fâché. Ok, d'accord, je vois ce que tu es en train de faire. I see what you did here. Donc moi, qu'est-ce que je propose? Je propose simplement de taper ici. Et on va commencer déjà par une petite Nova. Histoire de détendre un petit peu l'atmosphère. Que je sens un petit peu tendu, les amis. M'intéresse pas ça. Trop tard. On peut en remettre un deuxième juste pour le cycle. M'intéresse pas non plus. Hop. On va aller chercher un taunt. Donne-moi rien du tout. Bon, bah, ce sera ça. Hein. Honnêtement, déjà, je la sens mal. Hein, parce que voilà, c'est le problème de ce deck. C'est qu'on n'est pas non plus fait pour encaisser de la grosse bourrinade. Regardez ça. Franchement, quel plaisir on a à jouer ce genre de deck. À part juste de dire, voilà, je ne sais pas jouer. J'ai pas de talent. Je compense comme je peux. Et ça, je le comprends. C'est pas un problème. Hein, mais honnêtement, où est le plaisir? Où est le plaisir? Moi, du plaisir, j'en ai pas. Je suis invisible. Alors, on va mettre ça, essayer d'aller chercher des cartes qui vont m'empêcher de mourir. Qu'est-ce que c'est agréable, Hearthstone, quand même. Ça, par contre, ça me fait plaisir. Vas-y, tape ici. Voilà, donne-moi de l'armure. Bon. On va dire que... Je veux piocher. Ok, très bien. Donc maintenant, l'idée, c'est de se vider à tous les tours et de prier. Mais je suis probablement mort, hein. Je vais me prendre un coup de Leroy. Voilà. Et là, je prends Leroy et je suis mort. 8-9. C'était une belle game. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein, les amis. Ah, ou alors double frappe mortelle, c'est bien aussi. Non, mais c'est bien aussi. Voilà. C'était intéressant. C'était intéressant. Coucou le chat. Allez, on va essayer quand même de vous montrer une vraie partie. Ah! On a le chat qui vient nous faire un petit coucou. C'est pas très gentil de montrer ton cul à la cam, le chat. Tu viens faire un câlin, papa? Mais où tu viens faire un câlin, papa? T'es un bon chat, toi. Mais ne monte pas ton croupion au chat, à la cam, hein. Bref.
C'est un bon chat, ça. C'est un bon chat. Qu'est-ce qu'il fait pas, Baby, pour avoir des vues, hein? Il met exprès du Whiskas en dessous de, dans ses poches pour avoir un chat à la cam. Oh, le chat. T'es une bonne bête, toi. T'es une bonne bête. Eh ouais. Je suis un tuck sentimental, moi. On va mettre le pyro. Ouais, allez, on va cycler, hein. Parce que j'ai pas grand... Ah ben voilà, parfait. Comme ça, ça ne se fait plus buter sur une colère. Je cycle. Ça, c'est très bien dans le match-up. Ça bute les géants, ça bute le rag. Tournez mon bouclier. Eh ben, grand bien te fasse, camarade. Grand bien te fasse. Bon. Je suis un peu embêté par ce bouclier divin. Mais bon, allez, le chat, ça suffit maintenant. Hein, allez, fais bisous à la cam. Allez. Et on s'en va. Hop. Il m'a mis un poil dans la bouche, dégueulasse. Ouh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas une dose de rectance? Si, hein. Allez, on va modeler. Voilà, on va ça et on va ça. Donc un peu de chance, ça pète. Parce que quand vous récupérez... quand vous récupérez une Sylvanas... Mais d'où est-ce qu'elle vient, attends? C'est elle, hein? Aïe! Aïe! Les enfants! Alerte au Google! Alerte au Google! Ah mon dieu, vas-y, mais je suis tellement triste pour toi, j'ai mon petit cœur qui se pince, quoi. Oh merde. Qu'est-ce que tu nous as fait, Salvatore? Ah putain, j'ai un peu mal pour lui. Pas grand-chose, hein, j'ai pas grand mal, mais j'ai un peu mal quand même, quoi. Bordel, qu'est-ce que tu nous as fait, Salvatore? Le freeze gueule, il est tentant quand même, hein. Juste en termes de salut, j'ai une 6-6 qui revient. Ouais, vas-y, fais péter, donne à papa. Et allez, parce qu'on hésitait. Et on va... Comme ça, je perds pas de la tempo. J'aurais pu trader, garder ça pour plus tard. Mais bon, j'ai la Sylvanas. J'ai une deuxième Sylvanas. J'ai une troisième Sylvanas. GG, Sylvanasception. Hein. On a de la Sylvanas partout. Es-tu mon maître ? Et le pire, et c'est là où le prêtre est magique. C'est que même comme ça, je vais la perdre. Parce que Fred, ça sucks. Ça, c'est ça qui est fantastique. C'est ça qui est vraiment beau, quoi. Et on va YOLO face. Parce que de toute façon, il va quand même avoir tout envie de mettre dans la Sylvanas. Hein, donc, j'ai aucune raison. Vu que probablement, il va avoir envie de faire tac-tac. Hein, pour annuler l'effet de la Sylva. Hein. Je repense à son clé magique. Ah.
Alors, comme je le dis toujours, hein, pour ceux qui connaissent League of Legends, moi, quand je bois, vous m'appelez Gragas, pardon. Les petites bouteilles de fragile, là. Ah, oh, un Baron Guédon. Mais en fait, si je fais rien. Et je suis en train de me dire, si je fais rien, le guédon, le but, non? Accessoirement. Là, parce qu'il va mettre de l'armure. Enfin, il va mettre son... On le tente ou quoi? Ah, mais si... Allô, Trollden? Ouais, maybe. Écoute, Trollden, j'ai une game pour toi. Alors, il y a des chats, il y a des misplays de fous, il y a des druides qui se tuent avec leur guédon. Franchement, cette game, Trollden, elle est pour Watt, hein. Allez, on vous en fait une petite dernière, parce que. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Santé, je suis un petit peu euphorique. Ça fait un bail qu'on n'a pas fait de VOD. Ça va être moins drôle. Non, on ne commence pas la traque. On n'en veut pas ta traque. Alors, l'idée hospice. Éventuellement le pyro, mais l'hospice. Voilà. Au revoir le lion, au revoir l'early game, au revoir le reste. Fantastique. Je vais quand même me faire déglinguer. Attention, je suis prêtre. Je pars avec une pénalité dans la vie. Mais... Oh, une grand-mère. Ah. Et c'est tricky, hein. Eh ben, on fait rien. Moi, je dis qu'on fait rien. Et là, il va me mettre un port et je vais être emmerdé. En fait, je vais faire le ventre mou jusqu'au tour 5 et je vais... Bon, allez, on va quand même tanker. Prochain tour, on va retanker. Et après, on va lui chourer ça. En gros, enfin, l'idée, quoi. L'idée de base étant ça, quoi. Après, vous savez, hein. Vous me connaissez. Moi et mes plans à la con. Je suis un peu l'incarnation vivante de la loi de Murphy, hein. S'il y a quelque chose qui peut mal se passer... On est là. Ah, j'ai adoré, il y avait un mec dans les coms, mais un mec qui me connaît pas, il avait... Ouais, franchement, y en a marre des mecs qui disent qu'ils sont les plus malchanceux du monde. Le mec qui me connaît tellement pas. Bien sûr que je suis le mec le plus malchanceux du monde, mon gars. Bien sûr. Et si tu dis le contraire, c'est que t'as jamais vu mes VOD. Sombre fou. En vérité, il m'avait fait rire, ce mec-là. Non! Allez, un piège, deux pièges, trois pièges. Moi, j'aurais dit trois pièges. Non, pas trois pièges. Alors, ça va être un 4-trick. Ouh! C'est crevoir un gros vide! Allez, on va dire que c'est pas mal.
Tac. Voilà. Voilà. Ok, et toi, t'as plus de board, Maurice. Pouf. Alors c'est important évidemment de faire traîner la partie, hein. Oh non, mais non, t'es agaçant. T'es ultra agaçant comme mec. Laisse-moi te le dire. Ah, on t'attendait! Avec impatience, j'ai presque envie de dire. Voilà, c'est bien, allez, prends le trade ici. Voilà, gentil. Gentil le chasseur. Gentil chasseur, tant mieux, oui, il est gentil le chasseur. Je vois pas où est-ce qu'il y aurait un débat. Et on va mettre un pyro parce que ça va lui donner envie de trade. Ah ouais, ça va te donner envie de trade. Ouais, moi ça me donnerait envie en tout cas. Pas de maître chien. Bah alors dis rien alors. Ah maître chien. Bon ben on a gagné hein. Hop. Hop. Et hop. Allez, belle game. Prête, c'est fort. Rien que de le dire, je te déconne, quoi. Oh non! Non, il va tricher. Pas. Allez, on en refait une petite dernière parce qu'on s'enjaille. On est content, on s'enjaille. On est content. Non, blague à part. Allez, je vous dis pas que ce deck, il n'est pas foufou, hein. Mais il se respecte. Ce deck se respecte. Ah, on est contre un chat. Viens ici, le chat. Je suis contre un copain à toi. Alors, attention. Ne me tuez pas dans les commentaires. Neko, c'est un chat. Hein. C'est ça, hein. Neko, en japonais. Pour les japonophiles. Et là, vous vous dites, un hein, japonophile et tout. Putain, il nous a manqué ce maybe. 2 semaines sans VOD, mais qu'est-ce qu'on a pu faire sans lui? Et là, il y en a d'autres qui disent, ben on avait la paix en fait, un peu sans ce con, quoi. Non, je déconne, je déconne. Et ouais, je sais plus aussi qui m'avait dit, tu devrais plus parler pendant tes VOD. Eh ben, je peux vous le dire maintenant de vous à moi. En 32 ans. Je vous le jure que c'est vrai, c'est pas une blague. En 32 ans, c'est la première fois qu'on me dit tu devrais plus parler. D'habitude, c'est plus ferme ta gueule, maybe, putain, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Eh ben là, on m'a dit non, parle plus, il y a trop de blanc. Comme quoi, hein. Oh, une croissance. Et du coup, je me suis auto-fait carotter. Ouais, que du bon caca. Quoi que ça va, allez. On va pouvoir travailler avec ça. Parce que ça va me donner un Ragnaros. Ouais, un petit rag. Je vais quand même développer la 3-6 ici. Parce que c'est des stats qui sont emmerdantes, hein. Puis je pense pas que ce soit un match-up où j'ai tellement besoin. Voilà, c'est pas du chaman, quoi. Arrête-toi là. Merci. Alors, pour le coup, on va quand même prendre un sort plutôt. Tiens, 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 tiens.
Moi, je dis un mot de la mort supplémentaire contre un druide. On crache pas dessus. Allez, mettez à 5-10 stones, que je mette ma Sylvanas, et qu'on se marre. Oh, ça c'est pas très gentil. Ça c'est pas très kawaii. Tu n'es pas très kawaii, Neko. J'ai presque envie de mettre une Sylvanas à blanc, parce que ça va paralyser son jeu. Bah, il va la balayage machin, mais ça lui fait un tour en moins, quoi. Et puis moi, je m'en fous, j'ai un corrupté, moi. Non, je voulais taper mot de l'ombre mon truc pour récupérer son machin. Mais je pense que non. Je pense que garder la pression sylvanienne, c'est très bien. Parce que du coup, en fait, le truc, c'est que j'aurais fait plus de dégâts en lui piquant le guédon, machin. Sauf que là, je le paralyse, quoi. Un petit peu, quand même. Vite fait, quoi. Hein, je te paralyse. Dis-le que je te paralyse. Oui, tu me paralyses, tu me paralyses. Mais voilà. Mais te demande pas trop, mon gars, te demande pas trop. Allez, mène-nous ton maligos. Non, tu me ferais pas ça. Tu me ferais pas plaisir à ce point-là non plus, quoi. En colère. Donc quand je vous dis que ça paralyse, hein, c'est pas pour rigoler, hein. Le temps n'attend personne. Ragnaros, non. Bon, eh ben écoute, j'ai envie de te dire Domoï. Ou Spassiva, je ne sais plus, il faudra demander à David. Déjà, qu'est-ce qu'on a ici de bon? Je crois qu'on va prendre une ombre en toute décontraction. Allez, hop! Voilà! C'est pas ça qui va te sauver. Je te jure que c'est pas ça qui va te sauver. Bon allez, c'est peut-être bien ça qui va te sauver. Bon, en même temps, il me fait piocher deux cartes, hein. Bon, ok. Ok. Il est quand même méchamment dans la mélasse. Hein. Moi, je vous le dis, hein, les amis, il est pas bien. Hein, t'es pas bien. Allez, prochain tour. S'il clean, on met Enzot. S'il clean pas, ben il meurt. Après, le problème, il pourrait
Non, parce qu'il n'a pas eu le temps à Essan. Mais il pourrait me faire des choses ultra désagréables, maligos, de... Oh, oups, je crois que j'étais au TK sans faire exprès. Des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui arrivent. Ok. Oh. Un petit nourriche. Pourquoi pas? Regardez comment on fait concede un druide. Deathwing. Non, je déconne, j'ai une Sylvanas. Non. Non. Ah oh, putain. Ben non, quand bien il peut pas. Il peut pas. Ah, qu'il a eu chaud aux fesses, le petit maybe. Eh ben voilà, monsieur, dame. Sur ce petit 3-1 très propre. Que dire de plus? On va vous remontrer la liste. J'espère que ça vous aura plu. Donc, s'il y a des petits problèmes techniques, hein, voilà, c'est mon tout premier VOD avec ce setup. On va devoir améliorer les choses, bien entendu. Donc voilà, c'est une liste, moi, que j'apprécie, alors étonnamment qu'il joue sans l'éclair, mais je pense pas qu'effectivement, dans la méta actuelle, en fait, elle se fait bouffer par toutes les 3-4 du chaman que vous puissiez rencontrer, par les quickshots, par les armes, par les haches, donc en fin de compte, ah, tu vois, je pense que la liste comme ça, après, évidemment, des choses à modifier, certainement, moi, en tout cas, la liste me plaît, dans la mesure où c'est un prêtre, hein, évidemment, hein. Donc voilà. Il me reste plus qu'à vous faire un gros bisou, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, dans l'espace comment, vous me faites un petit coucou, des petites questions, des petits commentaires. Et les maybe t'es moche, vous. Bah, en fait, Nora, je le lis pas. Non, je déconne. Allez, bisous. À très bientôt, les enfants.